Excellent. Alors, Léa Yam, donc, j'aime bien quand on dit Léa Yam. Léa Yam. Bon, le disque, effectivement, est assez grave, on l'a dit, assez imprégné du 11 septembre et du 21 avril, on l'a dit. Quand on vous dit qu'il y a moins d'humour dans ce que vous faites, vous dites on en a toujours entre nous de l'humour, même si on en a moins dans nos disques. Ah, mais bien sûr, c'est permanent. Normal. C'est permanent. Bien, bon, ben voilà, si vous avez toujours de l'humour, on va faire une interview. Boys Band! Interview Boys Band, bonsoir Léa Yam. Alors, sortir votre album Revoir un printemps en septembre, c'est pour choquer? Oui, nous sommes dans l'engagement et la lutte. Hein, ça se voit tout de suite, oui. Mm-hmm. Alors, chez Léa Yam, c'est qui le rebelle? C'est lui. C'est lui. Mais il faut pas le dire. C'est qui le sportif? C'est lui. Et c'est qui le lover chez Léa Yam? C'est lui. Ah non. C'est lui le lover. C'est moi. C'est moi. C'est qui a choisi vos tenues là? C'est votre directeur artistique? C'est la drogue qui rit tout simplement. Non. Hey, Léa Yam, est-ce que vous avez déjà pleuré sur scène? Ouais, plusieurs fois. Beaucoup de lacrymos, les fumigènes. C'est lui le rebelle, hein. Il faudra le garder, parce que... Ouais. C'est vrai que vous êtes battu avec les Two Bitteries? Non, c'est non. Faux. C'est faux, mais... Il y a un petit stage de Fist Fucking qui a dégénéré. Et à la base, c'était Bon Enfant. Leur nouvel album s'appelle Revoir un printemps. Le single s'appelle Noblard, mesdames, messieurs. I am. Voilà, donc I am. Je vais garder donc Akhenaton et Shuriken. Les deux plus connus. C'est bon. Merci. On vous surveille.